Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Mario RPG. J'espère que vous allez bien. Nous allons quitter l'île des Yoshi pour nous rendre ailleurs. Compte tenu de l'histoire, l'île des Yoshi, ok, on peut y aller maintenant directement. Alors, on est d'accord que la crypte tuyau, je m'y suis rendu à l'île des Yoshi, mais de manière complètement random. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Tout fini. Et bah, c'est là où il y a l'étoile, bah, c'est forcément, on est au courant. Mais j'aurais pu retourner. Attendez. Au village quand même, non? Non, pas là. C'est pas ça que je voulais faire. À Rosanville, là. A priori, le village est tout beau maintenant. Voilà. Dans la petite maison, on a retrouvé sa peluche. Geno, tu es revenu. Maman! Alors, qu'est-ce que je te disais? Tu vois que j'avais bien vu Geno pour de vrai. Ah, le costume est très réussi, mais qu'est-ce qui te fait... Qu'est-ce qui doit faire chaud là-dedans? Pff, laisse tomber, maman. J'ai une idée, on va jouer ensemble, Geno. J'aimerais beaucoup. Mais je dois aller chercher des fragments d'étoiles avec Mario. Des fragments d'étoiles, pourquoi faire? C'est une longue histoire. Voilà ce qui s'est passé, mon petit Wabi. Yaha, bababing. Non, oh non. Ah, bing. Oh oui, je suis devenu Geno. Ça, c'était avant. Maintenant, c'est plutôt... Wahoo. Ah, je fais un vœu. Il n'y a plus rien. Comme ça, tu me suis? Du tout, j'ai rien compris. Disons que si on ne fait rien, tes vœux ne seront plus jamais exaucés. Quoi, par exemple, je ne serai jamais aussi fort que toi, même si je, quand je serai grand? Non, pour cela, il faut retrouver tous les fragments d'étoiles et réparer la route des étoiles. C'est pour ça que je les ai rejoints. Tous les deux, nous allons chercher les fragments d'étoiles ensemble. Ah, d'accord. C'est vrai que Mario n'est pas très fort contre Bowser, donc il vaut mieux que tu l'accompagnes. Boum! Au fait, j'ai vu un truc brillant tomber, et quelque part à côté du Taupini. Tu crois que ça pourrait être un des bouts d'étoiles que tu cherches? C'est fort probable. Taupini sera donc notre prochaine destination. Merci de m'avoir prévenu. Bonne chance, vous devez absolument réparer la route des étoiles, j'ai plein de rêves moi, et je veux qu'ils se réalisent. Je te le promets. Cool. Ah, attends. Paplapin lapin. C'est pour toi Geno, tu veux bien le prendre? Vous avez reçu doigt pétoir. Tu es un bon garçon toi, Bi, on se revint à notre retour. Qu'est-ce que c'est que les doigts pétoirs? Paplapin. Peut-être une nouvelle compétence? Taupini. Let's go. On va sauvegarder. Tout de même. Village des taupes. Hop. Tu veux passer la nuit ici, ça te coûtera 10 pièces. Non. Tu veux passer la nuit ici, ça te coûtera 10 pièces. Ah non. Ta la ta ta. Ah, les champignons. Ne sois pas timide. Tu as besoin de quelque chose, peut-être. Sûrement. Champignon plus, sirop d'érable. Restaure 40 PF. Je t'en prends 6. Restaure 80 PV. Je t'en prends 2. Ah, ça c'est bien ça. Caleçon de travail. Un caleçon un peu sale. Comment ça un peu sale? C'est super fort, on est d'accord. Oui. Je vais mettre ça sur tous, hein. C'est complètement broken, on est d'accord. Ça augmente l'attaque. Grand coup de poing. Doigt pétoir, mais tu as déjà, ok. On a déjà, bah, je vais donner ça, oui. Et on va prendre ça, plus 20 en attaque. C'est quand même pas dégueu. Hop. Non, attendez, hop. Comment je fais? C'est plus. Équipement.
J'avais déjà la carapace de Koopa. Ok. On va prendre les doigts pétoirs. Merci bien. C'est pas dégueu. Non, je rentre pas dans le sous. Il y a quoi dans cette petite maison? Absolument rien. Oh Bowser, oui. Enfin, tu es là. Pas content, pas content. Boum. Bowser, parce que tous nos collègues se sont enfuis, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons l'habitude d'affronter Mario, mais ces nouveaux venus sont très différents et très forts. Taisez-vous, taisez-vous! Il n'y a qu'un seul grand vrai méchant dans cette histoire, et c'est moi, compris? Si Mario apprend que je me suis fait chasser de mon propre château, ma réputation sera ruinée. L'heure est grave, il en va de mon image. Allez, en route, on va leur montrer qui est le patron beau. Non, il s'en va. Non. Bowser, reviens. Arrête de fuir. Mais t'étais où? T'es passé où? T'es parti où? Bowser, reviens. Non. Non, 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 Sad. Une étoile est tombée sur la montagne et les enfants sont coincés dans la mine. Et pour rien arranger, un des gars qui était parti les aider s'est retrouvé coincé à son tour. Mario, je t'en prie, aide-nous. Aide-nous! Comment ça se passe là-haut? Elle se démène toujours? Oui, et les gars aussi, tout le monde creuse. Ils ménagent par leurs efforts, crois-moi. Bon, bah, je peux aller là ou pas? Les hommes se démènent à l'intérieur de mon côté, j'essaie de creuser l'extérieur. Il faut qu'on arrive à les sortir de là. Mais rien ne va plus. Ta 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 ta. Le pauvre petit, j'espère qu'ils vont bien. Je sais ce que tu ressens, mais ça ne sert à rien de rester ici, tu devrais rentrer pour qu'il y ait quelqu'un à la maison. Gino, on a besoin de toi. À vrai dire, je serais aussi désemparé avec elle à sa place, mais que faire de plus? On ne retrouvera jamais les enfants à ce rythme-là. Regarde, l'entrée de haut qu'on utilisait autrefois, elle n'a plus à boucher. Mais on ne peut plus y accéder. Si seulement on avait les jambes de Mario, il serait là en rien de temps, lui. C'est alors quand on parle du loup. Mais Mario, si tu savais, tu tombes à point nommé. Tu es au courant de la situation? Oui. Tu veux bien participer aux recherches? Bien sûr. Merci Mario, tu peux utiliser l'entrée qui se trouve là-haut. Allez, grimpe sur nos épaules. Boing! Mine de Toupini. C'est des pododo? Pololo? Bulle de lave? Non. Je sais plus comment il s'appelle. Ça m'énerve. Ah, je me suis raté. Ah, ça fait pas la même attaque? Ah bah oui, il n'y a pas la même attaque que le... logique, quand même. Cristal est mort. Ah, je me suis éclaté. Et lol. 81 dégâts, mais... 140. Oh, les cymbales, elles éclatent. Genou s'est fait éclater. Sans même que je lui dise bonjour. Là... Boum! 148, quand même. Ah, je me suis foiré. Que 20, zut. Ça fait 12. Ah, mais j'ai pas... Ouah, je touche rien. J'ai le héros. 49, ok, c'est pas mal. Défense, plus. Il tape plus vite que l'autre aussi, ok. Paf, que 7, aïe. Ok, nice. Boum. J'ai l'impression que son tir était mieux que le petit... Après, c'est peut-être eux qui sont plus résistants, non? Équipement.
Râper dedans pour attaquer. Crase des ennemis. Doigt pétor. Ah, elle veut me faire ça, hein, c'est plus de dégâts apparemment. Oh, y'a un toad. Qu'est-ce qu'il fout là le toad? Oh non! Chauve-souris. 64. 70. Presque vaincu. Enfin la foudre. Bzz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 
Ça dégage. Ta 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 ta. Oubliez vos pièces. Non, c'est bon, c'est bon. Pour deux pièces. Ah ah. Je t'ai retrouvé les narnaques. Monsieur le narnaque. Narnaqueur. C'est en tout. Remboursé. Ah ouais, bah là, il fait enfin des dégâts, le petit malot. Ah, en attaquant juste. Tu ne perds rien pour attendre. On n'est pas prêt de t'oublier, crois-moi. Il n'avait pas de pièce, mais il a fait tomber gélule de fleurs. Ok, ça augmente nos PV, nos PF, je crois. Bam. Oh non, j'ai raté. Oh, bien joué. Non, après, c'est eux, les machins de flamme, ils prennent vraiment peu de dégâts. Augmente de 1 le nombre de PF max. C'est bien ça. Plus ça me les restaure. Paf. Je suis un arc-nac. Ok. Malo n'a même pas eu besoin d'attaquer. Tenu sirop de miel. Une période pour attendre, pas t'oublier, crois-moi. Il n'avait pas de pièces, mais il a fait tomber gélule de fleurs. Ça va plutôt bien. Salut, Narnak. Bam. Prends sang dans la gueule. Oh non, re-raté. Bien esquivé. Pin, 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 pin. En vrai, toute une question de timing. Mais ça fait que t'es vraiment actif. Tu perds un pour attendre, hein, pas t'oublier. Il n'y avait pas de pièce, mais il a fait tomber une gélule de fleurs. Mais c'est bien ça. J'ai l'impression qu'on est revenu là où on était. Non ? Oui, absolument. On est absolument revenu là où on était. Et oui, oui, oui. Merde. Je me suis refait tomber. Ah, il est là. Ok. Où ce con? Crétin de serpent là. Crétin de crocodile. Crétin de croco, il est passé là peut-être. Je sais pas, hein. Tu peux mauvaise, donc j'aime pas trop ça. Raté, bien joué. Hop. Pa-la-pa-pa-la-pa-pa-la-pa-pa. Mario qui passe au niveau 8. Ah, plus que 3 PV. Alors que là, on prend 3 d'attaque magique. Vas-y, Mario. Aïe. Ta 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 ta. Ça sert à rien ta jauge là. Ça dégage. On gagne quand même un petit peu d'XP. Alors au milieu. C'est x2 là, c'est pas mal. Il est tout à gauche. Ok. Youfi. Bon bah ça c'est le nid. Là il faut que j'aille pour la suite. Mais il n'y a pas crocodile là. Mes pièces. Rendez-moi mes pièces. C'est pas possible. Il est reparti. Je vois pas. Je me recogne. Il est relâ. C'est embêtant. Comment j'arrive à... Comment je le perds? Ah, il est là. Ah ah. Il a cru que j'étais parti. Oh, ok, ok. Quoi raté?
toi 60. Et boum. 70. Super saut. De 54, c'est pas foufou. Et boum, bloqué. Allez, génère voyons. Parfait, boum, 58. Santé 1. Qu'est-ce qui m'a volé? Je vous prends vos objets. Pour les récupérer, il suffit de me battre. Ah, j'ai plus d'objets. J'ai plus d'objets du tout. C'est une honte un peu. Hop. Faire surf stellaire. Il n'y a plus de taux de machin là. Taux de machin, il sert plus à rien. Allez, vas-y. On va pas se revoir la cinématique à chaque fois. 256. Ah oui, quand même. C'est une faiblesse. Et ça suffit, oui. Reprends-les tes trucs. Allez, je fiche le camp. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Et c'est ma Loki qui a un niveau. Alors il gagne 4 PV, là il gagne 1 d'attaque, et là il gagne 2 de magie. C'est pas mal de magie, de d'attaque magique. Surtout pour Malo. Hey, vous avez récupéré vos pièces, vous avez aussi ramassé sa mini bob-bombe. Bon, ouais, parfait. Hop, c'est par là, je crois. Non. Et oui, c'est par là. Voilà, voilà. Les bébés top. Oh, ce que tu as trouvé nous être très utile, mes enfants, Dina et Meet. Sont coincés là derrière, dynamite évidemment. On va ouvrir un passage à l'explosif. Et ben merci Mario. C'est grâce à la bob-bombe que j'ai trouvé. Parfait, il fallait donc que je me fasse voler mes pièces. A partir de là, il suffit de suivre les rails jusqu'au bout pour arriver au fond. Quoi, l'étoile, elle est sûrement au fond, on va y aller en sang. Non. Oh, tu as raison, je risquerais de te ralentir, je compte sur toi pour retrouver les enfants. Merci beaucoup Mario, je vais rentrer donner des nouvelles à ma femme. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Quelque chose en haut. A-t-il des trésors? Oh non, j'ai pas eu. Et c'est un niveau pour Geno. Papa, Geno a pris le Geno Boost. Appuyez sur. Non, attaque machin, utilisé sur A juste avant la fin pour booster aussi la défense. 5 PV. 3 d'attaque magique. Je prends. Damn. Pa-pa-la-pa-pa-pa-pa. 130, ah oui. 110. Pas dégueu du tout. 170. On commence à taper sévère là. Tenue sirop d'érable. On en avait un. Un point d'interrogation. Salut les bombes. Hop. Pa 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 la pa. Merde. J'ai pas survécu. Elles ont 80 PV en fait, je pense. Pa la pa pa la pa pa la pa pa. Bah, donne-moi des pièces, hein, c'est toujours ça. Hein. Une sauvegarde. Toum. Est-ce que je m'arrête là du coup? Est-ce que je m'arrête là? Je fais pas d'autres épisodes. Ouais, si je vais continuer. Ouais, il y a un truc là. Hop, parfait ça.
On monte de 1. On est 2, ok. Je vais continuer et je pourrais m'arrêter en plein milieu de l'épisode du coup. Je suis un méchant. Comme ça je pourrais reprendre au prochain épisode. La célèbre artificier Punchinello vous salue. Punchinello, j'ai jamais entendu parler. Quoi? Il paraît que j'ai le seul caractère, je vous laisse en juger. Je vais vous battre et je deviendrai célèbre. Adieu. Effectivement, c'est un bon caractère de merde. Est-ce que le feu, il aime ça? On va voir ça, le nombre de PV qu'il a. Pain. Il a 1004 PV. C'est chic, tout le monde est chic. Ah. Et le boost. Ah. Attaque plus, utilisé sur A. Ça n'a pas augmenté la défense malheureusement. 140 en moins. Pas mal. 64. Kilo quoi, il a 750 là maintenant. Pas mal, pas mal. On va passer au niveau supérieur. Grosse bombe. Bien esquivé. Technique, j'ai le rayon. Da boum. 110. 150, c'est pas dégueu. Technique, on va faire la foudre. Ya bzzzt. Parfait. Encore de bombes. On commence à embêter lui. 122. Pas dégueu. Grrr. Très bien, vous l'aurez voulu. Je suis pas content. Les gigabombes. Parfait. 99. C'est pas beaucoup. En vrai, c'est pas mal. 103. Bien esquivé. 102. 108. Presque en train de crever là le Punchino. Mais j'ai plus de bombe. Ah Rieu. Bon, on a envoyé une giga. Non mais je rêve, je suis fini. Je voulais vous épargner mais je n'ai pas le choix. Il bluffe, c'est sûr. Toi, la boule de mou, on t'a rien demandé. Je ne voulais pas gâcher ça pour vous. Qui sait ce qui pourrait arriver? En tout cas, ne gâche rien et rentre chez toi. Stop, j'ai ma fierté, puisque vous insistez. Méga bobombe. Hein, comprends pas pourquoi ça marche pas là. Ah, il s'est fait écraser par sa propre bobombe, loul. Mario, si le truc s'explose, on va le sentir passer. En effet, ça risque de secouer. Faut sortir d'ici vite. Ouah. Ça va exploser. Non. Ah. Ah bon, ça fait toaster. Nom du grenouille, c'était quoi ça? On a gagné cette bataille, c'est le principal. J'espère que nous remporterons aussi les suivantes. Où sont passées Dynamite et l'étoile? Bah, l'étoile est là, en tout cas. Je crois que ça répond en partie à ma question. Allez Mario, dépêche. Tout va bien. C'est juste de la poudre. Ils ont complètement grillé. Non, ça va. Le pouvoir de l'étoile nous a rendu notre couleur. Ta-da-da-da-da-da. Et une nouvelle étoile, la orange cette fois ou c'est la rouge? C'est considéré comme la rouge ou la orange? La orange, je dirais. Elle est un peu les deux. Ta-da-da-da. Parfait. C'est l'orange, effectivement. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Plus que 4? Allez, nous devons encore trouver les enfants. Oh oui, ça bouge pas, j'en ai marre. Oh Dina, tu veux pas m'aider? Dis, il faut pousser le wagonnet. Voulez-vous lire l'avertissement? Oui. À lire avant de conduire le wagonnet. Sonner, freiner A, sauter B, accélérer X pour activer un champignon. Comité de sécurité de Topligny.
Youpi, une balade en wagonnet, ça va être trop bien. Youhou, elle a dit. Et c'est le champignon. Ah merde. Allez, d'accord. Voilà, avec A. Ah merde. Faut que je tourne moi-même. Mais. Ta-da-da-da. Soit je suis très mauvais. Soit je suis très mauvais. Merde, j'ai pas sauté. Ah mais faut que je freine là, oui d'accord, ok. À savoir si, comment, quand est-ce qu'il faut que je freine. Le virage serré quoi. Oui, 1 minute 3, j'ai fait de la merde. C'était très naze. On est dans Donkey Kong, c'est officiel. Vote de Charlemagne. Tata. Allez, il faut y aller là. La Switch elle aime pas ça là. Ok. Oh, j'aurais presque pu faire un raccourci, mais non. Mais. Ah non, mais c'est A pour freiner, ok. Bon, d'où je suis tombé là. C'est en tout des propos pareils. Ah, oh, mais ça, j'ai pas assez freiné là. Voilà, je sais pas si j'ai pris le bon chemin là du coup. Si je crois. Hop. C'est un peu du grand n'importe quoi, hein. Mais d'où? C'est du grand... Mais c'est du très grand n'importe quoi. Du très grand n'importe quoi. Ouais, mais non. Je suis pas d'accord là. Je suis nul. Très mauvais. Il est où le frère par contre? La paire de mythes là. Nous sommes en extérieur, c'est beau. Explose. J'espère que les enfants vont bien, j'aimerais vite les revoir. T'inquiète pas ma topinette, demande son aide à Mario et je suis sûr qu'il les ramènera aussi vite que possible. J'ai un drôle de pressentiment comme si les enfants allaient nous tomber dessus d'un coup. Mais j'en ai loupé un. Évidemment. Tu vas pas imaginer n'importe quoi, ils vont rentrer très normalement par la porte, sont un peu patientes. Ah mais non, mais il y a le frère derrière. Coucou, c'est nous. Incroyable, ils nous sont vraiment tombés dessus. Mais pas blessé, mes chéris. J'avais pas vu qu'il y avait le frère derrière la sœur. Tout va bien, mon petit mythe. T'inquiète, maman, on va bien. Pas vrai, mythe. Même qu'on s'est bien amusé. Maman, papa. Oh, mon pauvre petit opinionné. T'inquiète pas, je suis là. Nina, combien de fois je t'ai dit de ne pas t'aventurer dans la mine comme ça? Allons, allons, n'arrangeons pas. Ils sont de retour, c'est le principal. D'ailleurs, avec tout ça, nous n'avons même pas remercié Mario. Oh mais c'est vrai, merci Mario pour tout, et le trou dans le toit. Le trou dans le toit, tu dis... c'est... Lol. Ce n'est rien, rien du tout, n'est-ce pas mon topiné? Absolument rien, les réparations, ça me connaît. D'ailleurs, n'hésite pas à faire appel à moi si tu as quelque chose à réparer chez toi, et merci encore de nous avoir ramené nos deux petits chéris sains et saufs. Vous avez trouvé dynamite et un fragment d'étoile, mais où a bien pu passer Peach?
Donc ce sera Peach, le prochain. Ce sera pas Bowser. Tant pis. Hop. Reviens, petit scarabée. Tu ne veux pas aller chez... jouer chez tonton Booster? Oui, reviens, on va juste s'amuser un peu. On s'occupera bien de toi. Ouais, comme ils ont dit. T'as entendu, scarabée? C'est qui ça? Ah. Les masques. C'est pas vraiment des masques. Ils ont juste changé le masque. Oh, un scarabée. Patouche, scarabée est un cadeau pour Booster. Exactement, alors rends-le nous sans faire d'histoire. Ouais, comme ils ont dit. Sinon, on te casse plus. Te cause plus. Booster aime beaucoup, mais alors beaucoup le scarabée. Seulement, il n'a pas le temps d'en attraper. Exactement, il est trop occupé à s'occuper de la princesse qui est tombée du ciel. Du coup, on attrape des scarabées pour lui. Alors, rends-le nous. Exactement. Ouais, s'il te plaît. Zut et Rosut, il se fait la malle. Faut vite le rattraper. Ouais. Ta ta ta. Ça n'a aucun sens. C'est du grand n'importe quoi ce jeu. c'est du grand n'importe quoi, j'adore. Il n'y avait pas une sauvegarde quelque part? C'est là, je crois. Ok, parfait. On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Je sais pas quand ce sera. Ciao, ciao tout le monde!